Et bonsoir, bonsoir. Cassé blog, bienvenue. Oui, première run. Et bonsoir aussi. Bien sûr, le no spoil et le no backseat est de vigueur, hein. Premier spoil ou backseat, c'est le ban def. Oui, je suis belle. Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère, et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, » dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait, mais un tisserand sombre apparut et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Bien, mon enfant, réchauffe-toi, » dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac !» La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha, pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière, ténébreuse mais majestueuse. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Ça y est, elle dort. On voit déjà tout de suite la différence que j'avais sur PC. Elle a que 6 mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un compte local. Et puis, ça n'a pas l'air de gêner Rose. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement, on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça. T'as oublié? Ma mémoire fonctionne très bien. Écoute, t'es trop parano. C'est juste... Bon, laisse tomber. Désolé. Mais je suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment. Oui, c'était la réflexion que je me disais aussi. C'est, on dirait les contes de Biddle le Bard dedans. Non, Harry Potter, oui. Tout va bien. Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Je peux pas lui en vouloir. Tu as dit quelque chose? Rien, je vais la coucher. Thank you.
J'ai essayé de faire fonctionner une version PC. Meilleur, on ira se promener. Il y a une différence. J'ai dû me procurer le jeu deux fois, je peux te dire que j'ai bien la haine. C'est ce que c'est du pognon de gâchis. Je l'ai dit à maman. T'es un peu petite pour ce livre. Oh, leur connerie là qui est écrite. Attention, on peut. Même sur les configs. Pourtant, j'ai quand même un PC gaming. Et je rappelle que pendant les cinématiques, déjà j'avais un jeu dégueulasse. Rien à voir avec ce que j'ai là. Ma PS4 montre déjà un rendu beaucoup plus puissant. Et je me suis retrouvé avec des cinématiques. Je suis arrivé chez Louisa. Je me suis retrouvé avec des cinématiques. Le son était en avance sur ce qui se passait à l'écran. Quand l'autre il dit arrête de crier, tu vas attirer les monstres, il avait même pas encore ouvert la porte que les dialogues étaient déjà lancés. Voilà l'optimisation de la version PC. Et pourtant j'ai quand même une GeForce GTX 1050 et voilà le résultat quoi. Donc, 40 euros d'utiliser, probablement 60 ici, donc voilà quoi. Sont là, je viens de me foutre un gouffre hein, dans le budget, donc profitez bien de cette sortie, on va au moins la faire une ou deux fois, mais enfin on va, je vais faire au moins une ou deux trois runs, mais voilà quoi. C'est sûr qu'il va plus, je vais plus faire trop d'achats avant un moment. Un très long moment. J'avais tout essayé, j'avais même un pote québécois qui m'a dit le problème que j'avais. Qu'on avait passé des nuits blanches à essayer de le faire fonctionner. Depuis le 7 mai, je suis en train de me ruiner la santé en le faisant fonctionner. Chaque fois le même résultat. Il m'a dit ce qui clochait, il m'a dit que j'avais trop de textures pendant les cinématiques. Sauf que j'étais dans les options, là comme ça, j'étais dans affichage. Donc là, l'affichage est pas le même, et dans paramètres, tout ça. Donc dans les paramètres, j'avais tout viré, tout était au minimum. Ma carte graphique était dans le rouge alors que j'avais tout au minimum, tout qui était coupé. Et j'étais toujours en décalage. Et j'avais des graphismes dégueulasses. Et rien ne fonctionnait. Ou alors quand les... Parce que ouais, si j'ai pu atteindre Louisa... J'ai fait le premier combat contre les Lycans. Eh ben, le combat contre les Lycans, complètement buggé. Le jeu est passé en 2 FPS quand les Lycans sont autour de toi, juste avant que Ethan passe un bandage sur ses deux doigts bouffés. Ouais, j'ai juste fait. Ouais, mon PC a tenu les 10 premières minutes. Ouais, c'est. Et Capcom avait l'audace de sortir, vu que c'est le moteur graphique de R7, notre jeu est bien optimisé pour tous les supports. Ouais, bien sûr. J'avais même installé les pilotes graphiques GeForce Experience exprès pour le jeu, ça n'a rien changé. Donc on est fin mai, je le fais que maintenant. J'espère sincèrement qu'il va pas commencer à y avoir des gens qui vont commencer à avoir la... Parce que j'en ai déjà recadré quelques-uns, hein, des mecs qui avaient la grande bouche comme ça, qui spoilaient déjà, où tu peux pas allumer YouTube sans voir une vidéo qui spoil. Personne se souvient de cette histoire. Alors là franchement je peux te dire que je dégaine facilement là. Et que le moindre backseat sera puni sévèrement, ça c'est sûr.
Et je lâche un petit remerciement au passage pour ceux qui ont essayé de m'aider pour faire fonctionner cette version PC Maman et moi, affligeante. on adore cette mélodie. On y est presque, ma puce. On va pas faire attendre ta mère. Elle fait peur quand elle est fâchée. Et voilà, mon ange. Ne t'inquiète pas. Je suis juste en bas. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. Aparté. Non, on va juste profiter du jeu J'aimerais que ça reste toujours sans comme ça. problème. Pas étonnant que je devienne parano. Rose va bien. C'est bien remis quand même, Ethan, hein, de sa main qui a été décapsulée. Hein, aucune séquelle, c'est ça se tombe, il a encore les agrafes, on n'en sait rien. Ça a été? Elle dort comme un bébé. Mais ça sent bon, ça, c'est quoi? Hé, bats les pattes! C'est une ciorba de légumes, une recette locale. Waouh, tu t'adaptes vite, toi, hein, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu touches pas. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais... te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire. Tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins on est ensemble. Toi, moi, Rose. Maintenant, je suis sûre que tu vas... Sérieusement ? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane ? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Mia, baisse-toi ! Mia! Mia! Oh non!
tellement violente la mort de Mia quand même. Qu'est-ce que tu fous? Désolé, Ethan. Non! Putain! Pourquoi? Avance! R.A.S. Rose? Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? Nous l'avons. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher! Ethan, non. Rose! Sortez-le d'ici. Ce début est quand même très intriguant. Hein. Moi, je me demande qu'est-ce qui a pris à Chris subitement de passer dans l'autre camp. Et j'ai hâte de découvrir ça. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4h. Parfait. On y sera. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète? Dis-moi. Elle dira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non? Et nous, dans tout ça? Je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles? Il y a quelque chose que tu m'as pas dit? Vas-y, parle-moi. Merde. Faut que je réponde. Oui, ta fille sera... Je sentais déjà la phrase. Ouais, ta fille sera un moitié poulpe. Ça serait drôle, ça, quand même. Enfin, de toute façon, c'est sûrement un rapport avec ce qui s'est passé dans le set. Hein. Ils ont été infectés tous les deux. Tu peux être sûr que ça s'est répercuté sur la gamine. Une fois que t'as été marqué par le virus, c'est dans ton ADN. Donc, tu peux être sûr qu'il y a un délire avec ça. Putain! Sur PC, la net. Quand tu mets tout au bas, non seulement le jeu fonctionne pas très bien, mais en plus, moi j'avais une texture de PS2 sur la neige. Il y avait pas d'effet comme ça. Alors, en plus, avec ma grosse télé 4K, ça rend bien. Merde! Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'en reviens pas que ma PS4 FAT affiche ça, quoi. C'est ouf. Comme si la PS5 existait pas. C'est une forêt flippante parce que là, bon, quand j'ai fait ce début là, je m'étais dit, ouais, je dois faire tout le début du jeu comme ça. Non seulement ça fonctionne pas, mais en plus, elle. Il y a l'ombre! Oh mon dieu, il y a des ombres! Si vous voulez faire le jeu, je vous conseille vraiment pas la version PC, franchement. Grosse publicité mensongère qu'il y a eu sur la version PC, franchement. Elle est quand même lâchée 38 euros, quoi.
À mon avis, c'est un PC de la NASA actuellement. Parce que... Pourtant, c'est vrai que là, le jeu, il est joli, mais il est pas forcément. Ouais, bah, moi j'ai une 1050. J'ai pile le modèle en dessous de toi. Qui est pas forcément. Qui a pas forcément. Moi, je pense aussi ce qui posait problème, c'était la RAM. Moi, je suis à 8 Go de RAM, et c'est peut-être ça aussi que ça calait de temps en temps. Pourtant le PC il est bien hein, parce que jusqu'à présent il n'y a que ce jeu là qui m'a même Cyberpunk j'arrive à le faire tourner. Cyberpunk en moyen, ça passait bien sur le PC. Bon, regarde, je fais une petite pause parce que j'ai absolument besoin d'aller aux toilettes. J'arrive.
Et me revoilà. Je pense qu'ils ont Capcom à toujours remplir des baignoires et des éviers d'un liquide noir. Ils doivent avoir un problème avec la propreté chez eux. Avec la propreté des sanitaires. T'as laissé fuir le rat et t'as... Tellement flippant ce passage qu'on voit pas à 3 mètres. Que je suis. Voilà, dès que j'arrivais ici sur PC, là ça devenait catastrophique à partir de là. J'avais ni brume ni neige qui tombait et le jeu se mettait à tourner 2 FPS par moment quand je tournais la caméra comme ça. J'ai pas vraiment l'impression de jouer au même jeu en fait. C'est ouf.
L'autre côté, je me suis dit, oh, je me suis gâché le moment jusqu'à Louisa, mais non, en fait. Parce que là, je le redécouvre dans une toute autre ambiance. Peut-être qu'ils sont sortis. La soupe est chaude. Je dirais que c'est des carbonades parce que je perçois des carottes. Sont les assiettes. Ça sent la traditionnelle manivelle, ça je pense qu'il faut plus tard. Ah, les toilettes sèches comme ça, et franchement le gars il devait se les peler quoi. Un petit test pour voir. Ah ouais, petite texture qui disparaît un peu. Quand tu... Bon, ça va, c'est que deux brins d'herbe. C'est que deux brins d'herbe sur... Pour PC, c'était carrément le décor qui foutait le camp. Quelqu'un vit forcément ici.
Non, 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 du calme. Du calme. Qui êtes-vous? Et Tan a quand même eu du bol, hein, là, parce qu'il y a eu un accident sur la route. Sur le côté, et il avait le bidon. Oh non. Ils arrivent. Qui ça? C'était quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Dites-moi que vous avez un flingue. Pourquoi? C'est tout ce qui me reste. Prenez-le. Prenez-le. Quoi on a fait? Hey, vous allez me répondre? Hey! Putain! Que le fun commence. Oh la vache. Mais putain, c'est quoi cet endroit? Là, il se fait carrément bouffer les doigts du fond. T'auras du mal à les pousser, ceux-là. C'est quoi ce bordel? J'ai bien choisi normal avant de commencer. Enfin, bon, ça, j'ai pas subi beaucoup de dégâts. 7 balles, ok. Ah, je fais moi tout de suite. D'acheter de la mousse à raser. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas de mal dans celui-ci, ou alors j'ai pas été assez loin pour la trouver. Je sais plus. Bon, je le verrai assez vite, je pense.
la malle. Tu sais, on range les flingues et tout. Je pense qu'il n'y en a pas dans celui-ci, ou alors j'ai confondu avec un autre opus. Parce que j'ai pas été assez loin, je pense, pour voir qu'il y avait la malle. Oui, dans le set, oui, il y en avait une. Ouais, je souhaite confirmer parce que j'ai le let's play du set encore sur la chaîne YouTube. J'ai refait le set sur ma PS4 justement. J'en avais profité qu'il l'avait mis sur les jeux à la demande du PS Now pour pouvoir le faire vite fait. Et comme ça, j'avais mon let's play des recettes déjà de fait. Le fameux coup de boulon, pour l'instant, depuis RE2 Remake, il est partout. Exactement le même en plus. Ah, ça faisait du bien la première cinématique sans le décalage, c'était cool. Ça s'annonce bien. D'avancer, ma curiosité me pousse à aller par là. J'ai pas envie de rater des bonus ou des... En parlant de bonus, je vais aller voir si j'ai pas raté le pack de survie de démarrage là. Parce que... Ouais, non, j'avais que la clé pour Resident Evil Reverse. Resident Evil Reverse, je l'ai deux fois maintenant, mais j'y jouerai sur PC. Ce qui fonctionnera sûrement celui-ci, vu que ça a l'air d'être un RE2 en plus moche. Petit problème de fuite.
lui, il s'en souviendra tout seul. C'est fini. Petite cervelle qui éclate au passage, un classique dans les RE. Petit critique au niveau du front. S'il y a le moindre survivant, venez chez moi. Venez chez Louisa, la maison près des champs. Des survivants ? Venez chez Louisa, la gourgandine du village. Et merde. Ok. De plus en plus.
tête. Cette cinématique-là, par exemple, j'en avais pas profité la première fois, elle a été complète. Change de doigt, enfin change ton alliance de doigt, Ethan, tu vas la perdre. Ça doit être bien douloureux quand même. Attendez! Ah ouais, la vie. Ah, dans le set, t'avais 3 monstres grand max avec les boss, et voilà quoi. Ça. Sans compter les boss qui se variaient un peu. Mais les boss étaient quand même, par exemple, Jack Baker, sa dernière forme est une variante très. Très stylée, quand même, la cinématique où les monstres se préparent à te dévorer et tout d'un coup elles sont rappelées. Ça fait très R4. La vie et la mort, nous te rendons gloire. Madame, restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hey, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose, oui. Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. Mais de quoi vous parlez, de ces monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent. Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Je viens d'avoir. Il revient. On dirait la on dirait la vieille sorcière dans Blanche. Rose est ici. C'est vrai qu'il y a un petit air de famille. En tout cas, elles sont moches toutes les deux. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est bien des lycans, c'est pas vraiment des loups-garous. C'est un hybride en fait, c'est entre humain et loups-garous. C'est comme dans Underworld en fait. Touche.
C'est ici la carte. D'accord, il y a quand même une grosse surface de jeu. Oh. Bah c'est parti, explorons bien. Les chèvres. Succès déverrouillé, blasphémateur. Je dois avouer qu'ici il y a un réel effort de fait parce qu'ici quand j'étais arrivé sur PC, non seulement la cinématique de la vieille fonctionnait pas, mais ici j'avais le décor qui dépopait quand je reculais. Là ici il reste tranquille. Comme quoi, version console mieux à tout point de vue. Ouais, donc ici, bon, c'était ici que je m'étais fait chier, c'est de faire fonctionner le jeu. Quelques mètres après, quand il faut couvrir les survivants jusqu'à chez Louisa, j'ai même pas pu profiter. Là, je vais en faire maintenant. Profiter de la magnifique voix de Eric Cartman pour ce qui est du PNJ. Il est partout, Christophe Lemoine. J'imagine que ça mène au château. Je chargeais tout le temps cette sauvegarde là pour voir si la cinématique fonctionnait enfin et non et non. Enfin, ici ce passage je l'ai tellement fait que je pourrais te le répéter à l'infini. Et non, je vais enfin pouvoir voir ce qu'il y a au-delà. Parce qu'à chaque fois que je faisais les réglages et enfin que j'essayais de faire les réglages, bah, je prenais cet endroit qui tournait pas du tout comme pour essayer de me référencer.
quand même des mines anti-char ici, je sais pas, ils avaient quand même de sacrés taupes dans le champ, hein, c'était pour utiliser ça. Non. Moi, sur le PC, je ne faisais que des allers-retours entre ici et là. Je redéclenchais la cinématique de chez Louisa, je voyais qu'elle fonctionnait pas. Je quittais le jeu, je retournais faire des réglages. Je retournais faire mes réglages, donc j'allais chipoter dans GeForce Experience pour tester diverses configs, changer les FPS du jeu, tout ça. Bon, bien sûr, rien n'a fonctionné. Hein, voilà, et essayer d'éviter les trois lycans dans le fond. Fermez la porte, vite. Hey, vous faites quoi ici? Ouais, déjà, on sent déjà la différence. Approche pas. Pitié. C'est un gros labial est parfait. Non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Tais-toi. Il n'est pas d'ici. On est pas en sécurité. Ah, j'avais fait la votre démo, père peut marcher. C'est vrai que c'est en ce passage-là, non. Tu le connaissais. Je un le connaissais. C'est mon frère blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Non, je croyais qu'il n'avait pas raté grand chose. Il doit y avoir un accès. Restez ici. Sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Qui veut mordre dans la gousse d'ail? Ah, surtout qu'il faut manger une gousse d'ail comme ça. Ethan, il devrait le faire. C'est un antiparasite naturel. On peut soigner des maladies, tout ça. Ouais, c'est ça, de rien. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée.
On sera à l'abri ici, n'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, c'est sûr. Hé! Vous avez une idée de ce qui se passe ici? Il n'y a que la condition paysanne. Hein. C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Papa! Il faut qu'on entre! Allez, allez, oui. Eh oh! Y'a quelqu'un? Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Arrête de crier! Tu vas attirer les monstres! Liliane, du calme. C'est qui, lui? Mon ami! Laisse pas décaler, c'est génial! Papa, je t'en supplie, Liliane, laisse-moi entrer! Ils vont sentir le sang, vous nous mettez en danger! Mon père a besoin d'aide! C'est pas mon problème! Que se passe-t-il? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Allons, ces gens sont nos amis. Allez-y, rentrez. Venez, par ici. Ah, ça me fait du bien d'avoir cette cinématique. Vous n'êtes pas de ce village? Non. Moi, c'est Ethan. Julian, rends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire? Allez, Justin Bridou, va faire ta ronde. Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Entrez, Ethan. Restez ici, je vais voir les autres. Ça fait toujours bizarre quand même de... Ethan, on dirait qu'il vit dans le présent, mais on dirait que ces gens-là, ils vivent dans leur temps, quoi. Ils ont rien, pas d'internet, pas de téléphone. Suivez-moi. Attention, on va rencontrer Eric Cartman dans 3, 2, 1. Venez, les autres nous attendent. Ah. C'est qui, lui? Un étranger, vous allez tous nous faire tuer! Anton, du calme! Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sortait très bien sans lui. Ah, le décalage était pire avec cette cinématique. J'étais même pas traversé le rideau que le gars que Rick de tout le village parlait déjà. Les seuls survivants? Les seuls survivants? Y'a pas de survivants! Un pauvre invalide! Une conne qui arrête pas de chialer! Et vous? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était. Et respectez. Et vous pensez être à l'abri? Personne n'est à l'abri. Tous les connards dehors se sont fait triper. Et demain... Demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mais la veilleuse, Roxana... Ça suffit! Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis, il en est venu d'autres... Attendez, Louisa. Où est votre mari? Ils l'ont... Non. Non, non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Prions. Pour lui. Pour nous tous. Bonne idée. Venez. Approchez. Ô puissant, entendez-nous, unis ensemble dans la prière. Nous vous demandons, depuis les ténèbres infinies,
de nous guider vers notre destin. Quand la lune minuit s'élève portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Bien, le thé doit être prêt. Aide-moi, Elena, veux-tu ? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. Putain, mais qu'est-ce que tu fous ? Leonardo, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas ? Papa ! Elena, non ! Restez là ! Non ! Laissez-moi ! Oh. Oh non ! Il va nous tuer ! Il va nous tuer ! Venez ! Sur toi ici, j'avais la cinématique qui frisait. Enfin, le passage au créateur. J'avais ce passage-là qui frisait au bout d'un... une fois sur deux. Elena ! Ça suffit ! Ah, ça fait plaisir de la voir à vitesse normale. Oh mon Dieu ! Je te demande pardon, papa ! Regardez-moi, c'était plus votre père. Vous avez fait le bon choix. Elena, Elena, non ! Il n'y a plus rien à faire ! Papa ! Tout risque de s'effondrer ! Non ! Allez, vrai jeu commence. Vous ne pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule ! Non, non, on va sortir d'ici tous les deux. Il faut que je sorte d'ici. Le feu gagne du terrain. Vous allez faire quoi ? Reculez. Je vais tenter quelque chose. Essayez. Ça brûle. On n'a plus le temps. On n'a plus le choix, il faut monter.
Elle n'a pas la tenue vestimentaire. Essayez de pas respirer la fumée. Ce genre de situation. Je sais. Merci, Ethan. C'est gentil. J'espère que votre famille est à l'abri. Mais moi aussi. Une fois dehors, je vous la présenterai. Non, c'est bon. C'est bon, ça va tenir. Là, on va sortir par là. Dieu merci. Mais après, le village est infesté de monstres. On peut pas les affronter. Il y en a trop. Mais non, non, non. Tout va bien se passer. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa ? Elina, c'est trop tard. C'est plus lui. Elina ! Il me reconnaît ! Papa ! C'est trop dangereux ! Allez, arrête ! Bougez pas ! Tenez, attrapez ma main ! Ethan, partez ! Sauvez votre fille ! Elina, regardez-moi ! Donnez-moi votre main ! Putain de merde! Oh, ça va, elle est juste un peu cuite. Mais pourquoi est-ce que tout le monde meurt? Elena, c'est horrible. Mais pourquoi ça commence? Moi j'aurais pas tapé le mur de briques avec ma grosse blessure. Déjà qu'il a hurlé comme une fille quand il s'est fait mordre les deux derniers doigts alors. Ma mine anti-charge, je vais me la garder pour un moment clé. Voilà, ça là, le jeu commence enfin. On est déjà à 1h29. Oui, mère Miranda, j'aimerais pas tout compte fait, je préfère. Je voudrais revoir Lord Sadler, s'il vous plaît.
Même la vieille peau fermière dans R4 était plus aimable, même si elle voulait te lancer une faucille. Oh là. Tiens, voilà, on est au menu du jeu. Petit épouvantail. La mort. Oui. La mort leur a tous rendu visite. Ouais, je vois ça. Je veux la même canne. Ah, j'aurai 60 ans. Je pense que j'ai chopé le dernier symbole, c'est ça? Ouais. Donc on peut emprunter la porte. Maintenant, je dois savoir, est-ce que c'est le tournevis qu'il faut pour ça? Rien d'autre que le sang et la mort. Hein? Tiens, ici ils avaient mis un effet assez cool pour la fin de la démo. Ici, t'avais Ethan qui pointait son arme en mode lors d'une petite cinématique et il avançait lui-même. La démo se finissait là-dessus. Là, tu joues directement. Bah, c'est vrai que dans la démo, Ethan avait ses 10 doigts. Donc, comme quoi, vraiment, qu'il y avait des différences avec la démo. Ah, ils remettaient les deux démos à faire. C'était le quelques jours avant la sortie, c'était le 2 mai. Ils proposaient les démos jusqu'à minuit, les deux d'un coup, et ils te rajoutaient 60 minutes de. temps pour les étudier. Avec la luminosité, hein, je teste pour essayer de trouver la meilleure ambiance que vous ayez. Ouais, on va laisser comme ça, c'est un peu plus. On a pile ce qu'il faut comme ça. Tiens, tiens. Je pensais que tout le monde était mort. Tu dois être un dur à cuire, toi. C'est qui ça? Vous êtes qui, vous? Oh, t'es pas d'ici. Encore mieux. Mère Miranda va t'adorer. What the fuck? C'est quoi ces pouvoirs? Attends, il a un gros marteau. Ça serait pas le machin poilu qui a essayé de me liquider avec les licornes? Arrête de geindre, on y est presque. Donc c'est un espèce de trappeur, lui. Aucun d'entre vous n'a besoin de. Je sais pas pourquoi, mais je sentais que j'allais me faire choper après avoir passé la porte. S'amuser avec les étrangers.
De plus, je vous promets que si vous confiez ce mortel à la famille Nick Christou, mes filles. Donc, en gros, fermez-la, vous deux. En gros, tu vas le garder juste pour toi. Et nous, on s'amuse quand? Laissez-le moi. Et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme... Oui, on sait. Il va perdre son petit oiseau. Par contre, le gros, là, l'espèce de gros machin bossu qui ressemble à rien, qui te regarde en mode le début de la cinématique, j'ai failli avoir un fou rire. À la porte du château, blablabla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais j'ai pris ma décision. Oh, c'est quoi ce devenu, Heisenberg, le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant, et son dévouement envers vous est discutable. C'est moi qui ai couché, ou alors... Confiez-moi très, très ce mortel, et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde, ouais, et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux? C'est toi qui contestes la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir. Ah, c'est ça, continue à grandir. Ta tête rattrapera peut-être ton égo. J'ai peut-être mon mot à dire, non? Silence! Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais d'où vous venez. Merci, mère. Lico, les messieurs, merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu. Nous voyons ce que tu as dans le ventre, Ethan Winters. T'es prêt? Non. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, le spectacle commence. Non, en fait, donc c'est Mère Miranda. Moi, je pensais que c'était Dimitriscu qui était la chef, mais on dirait qu'il y a quelqu'un de plus dangereux que Dimitriscu. Ça a l'air d'être Mère Miranda qui tire les ficelles, et c'est une personne dont tu vois pas le visage. Maintenant, j'entrevois deux solutions. Vu qu'il y a Chris Redfield, j'entrevois peut-être que c'est Claire Redfield, la méchante. Ah ! Putain de merde ! C'est ça. Cours pour ta vie.
en main pour réfléchir. Bon ben, première mort. Et par contre, ils font tous bader, surtout les deux, le gros et le petit gourd sur pattes, le petit Chucky. Ah, putain de merde! C'est ça, cours pour ta vie. Mais non, Ethan, c'est ce que ça fait d'être passé au Zelda. C'est très bien, Ethan. Personne n'a eu l'idée de me délester de ma quincaillerie. Attends, Rose, elle est pas morte? Ah non, c'est le bébé, c'est Rose. Ah, c'est Mia qui... Ouais, au moins que la créature masquée, ça soit Mia qui aurait muté. Enfin, ouais, non. Elle aurait pris des fonctions si vite, ça m'étonnerait. Enfin, c'est forcément un personnage connu, parce que pour que Chris Redfield obéisse comme ça, ça... Il y a forcément quelque chose d'important derrière. Surtout, il serait pas chier à masquer le méchant. Et fait un petit séjour au cachot. Le couteau a déjà un peu plus de gueule que le couteau de poche dans R7. Hein. Les petits canifs du policier. Vous savez, je vous attendais, Monsieur Winters. Vous connaissez mon nom ? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais, un peu comme vous. Je ne suis qu'un humble marchand. Ici ?
Je me présente, je suis le duc. Parlons affaires, armes, munitions, remèdes, tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. Ah, vous tombez bien, je commençais justement à m'ennuyer. Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. Ah, vous savez, c'est vraiment parce que c'est vous. Est-ce que je viens de vendre des trucs importants là ? J'ai pas fait attention. À ce que je faisais. Là, j'ai vu cette balle but, je me suis... Ouf, je les ai encore. Puis-je choisir quelque chose pour vous ? C'est ça que je voulais vendre, voilà. Je disais bien que j'avais eu un objet. Quelques bricoles. Je vois. Ne faites pas attention à moi. Malheureusement, vous ne semblez pas avoir les fonds nécessaires. Je peux modifier toutes sortes d'armes les yeux fermés, et je le fais pour une somme modique. Revenez quand vous voulez. Ouais, je vais faire avec ce que j'ai, hein. Je suis pas très riche. J'espère qu'il y a des trucs trouvables quand même qui est pas forcément obligé d'acheter. Ça serait cool. On va être à 2 heures. On va être à 2 heures de stream. 4h07. Merde, j'ai perdu le. Câble qui s'était emmêlé. Bon, allez, on va encore faire une petite demi-heure. On va s'arrêter là, je vais marquer une dernière pause. On continuera, enfin, je vais vite aux toilettes. Après, on continue une petite demi-heure. Voilà, comme ça, on aura fait un peu un bon début dessus. Allez, j'arrive.
Rose est ici. Tellement creepy. Rose. Le sang d'un homme. Je produis une série de choses. Mère, voici une nouvelle proie. Vous êtes si gentilles, les filles. Viens, je t'en tiens. Waouh, ça alors, Ethan Winters. Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère, à ce que je vois. Voyons voir ce que tu as de si spécial. Bien, mère. Ah!
Il commence à perdre de sa salle. Alors dévorons sa chair sans tarder. Mais c'est moi qui l'ai capturée. Pas si vite, les filles. Je dois d'abord prévenir Mère Miranda. Mais ensuite, il y en aura bien assez pour tout le monde. Accrochez-le. Non, attendez. Arrêtez, je fais tout ce que vous voulez. Oh, fais attention à ce que tu dis, Ethan Winters. Faites-moi descendre. Il est membre d'état d'hypnose. Il y a un drôle de délire dans ce château. Le service laisse à désirer. Prochaine fois, mets des gants en cuir, Ethan, au moins t'auras moins mal. Tu mets des bons gros gants de chantier là. Il y a encore l'effet de ses mains mouillées à cause de l'alcool fort qu'il a balancé dessus. J'aime bien cet effet là. Faites ton argenterie, tiens. Voilà. Voilà, Ethan, enfile ça. Tu pèseras 200 kilos, mais au moins, tu seras produit, seras à toute épreuve. Où est-ce qu'elles ont emmené Rose? Et tu feras un
un de ses raffus aussi. Comme nous nous retrouvons. Vous, qu'est-ce que vous faites là? Les affaires sont les affaires. Avez-vous retrouvé votre fille? Non. Si elle est vraiment ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ne pensez-vous pas? Dimitrescu? Elle-même. Pourquoi ne pas jeter un œil? Sait-on jamais? En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique. Bienvenue, Ethan. Il me fume, le gros. Comme toujours, une transaction honnête et équitable. Quoi, ce magasin, on peut rien acheter. Obtenir de la marchandise est plus important que tout. Ah, ça oui, mon ami. J'ai hâte de voir les fruits de votre exploration.
Ouais, il est partout. Par contre, faudra m'expliquer de comment il a fait pour rentrer ici, hein, parce que la dimension de la porte versus son gros cul. Faudra m'expliquer. Moi, quelqu'un a un monte-char, je sais pas. Personne n'a jamais fait le rapprochement avec ça. Comment il passe les portes? Une grue. Il faut pas voir où elle passe la grue. Parce que ouais, il passe même pas là. Naturellement. Quel être humain vivant au monde serait morte, hein. Soyez prudent. Serait mort d'une artère bouchée. J'avoue que j'étais assez économe, je suis assez content, satisfait des munitions que j'ai pour le moment. Vu que le pistolet est un peu faiblard, je pense que ça partira vite, hein. Je ne préfère pas me planter. Comme une vieille anglaise. D'accord, elle tenait un vignoble ou je sais pas trop quoi. La miss était capable de faire du vin, apparemment. D'ailleurs, on trouve des bouteilles de vin. Et Mia a dit au début, même le vin il est du coin, si ça se tombe on a acheté une bouteille qui venait d'ici. C'est comme ça qu'ils nous ont trouvés. Tout est lié. C'est Chris Redfield qui nous a balancé. Là, j'ai hâte de voir lui sa mutation, enfin ce qu'il sait faire. Parce que ouais, sur la jaquette du jeu, on voit que c'est un loup-garou lui, donc. Ouais, mais les Illuminati, c'était pas un triangle à la base. C'est facile, hein, l'œil, c'est comme dans la démo, tu arrives ici, tu mets ça et tu vas être attaqué par la nonne. Ah.
Ça fait longtemps que j'ai pas de séquin. Laisse-moi te prendre, te trancher la jugulaire et regarder. Capturer mort ou vif, tu préfères quoi? Ni l'un ni l'autre. Oh, moi, je suis plus là. Ah, la torche, j'aurais aimé pouvoir l'allumer quand je veux. Ça, c'est une remarque que j'avais fait quand j'ai fait la démo. La torche, j'aurais préféré pouvoir l'actionner à tout moment. Pas que quand seulement Ethan le décide. Le cachot Torquemada. Yeah.
Il a l'air d'avoir un sacré panel de boss dans celui-ci. On a vu un petit aperçu avec les quand on était dans l'assemblée là. Plus les trois frangines, hein, y a pas mal effectivement. Ah, il m'a fait sursauter celui-là. Bah, y a du sang au bout du canon. Puis on peut apercevoir que l'arme est un peu mal entretenue. Tu peux voir qu'il y a des rayures. Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Ah non,
Où est-ce que tu vas, petit coquin? Tes balles ne font rien du tout. Espèce d'imbécile! Passer le courant d'air. Je ne ressens aucune douleur. Comment oses-tu t'attaquer à nous? J'arrive pas à y croire. Je vais te trancher la gorge et la remplir de fer. Et donc il suffit de leur souffler dessus. Ah, je comprends pourquoi vous sortez jamais du château. Hein. Voulez-vous un organe de porc? Le tout petit ventilateur, minuscule truc. Tiens, c'est bizarre comme faiblesse, hein. On est en plein dans, on est en pleine montagne où il y a des courants d'air. Et eux, ils aiment pas le vent. Je parie qu'il y en a beaucoup qui ont dû rigoler quand même ici, hein. Je sais pas, mais... classieux comme ça, effectivement.
Je vous propose de nouveaux services. Venez. Jetez un coup d'œil. Faites à votre guise. Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. Un de mes articles les plus populaires. Je peux modifier toutes sortes d'arts. Je vous souhaite de faire bonne route. S'arrêter là. On aura eu un petit mini boss. Voilà, on continuera demain parce que là, je suis un peu fatigué. Voilà, on a fait un bon début dessus. Une première VOD, c'est parfait. 2h30, 2h40 quasiment. Sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à peluche. Bah normalement demain soir ou deux ou en jour, enfin demain soir sûrement soir parce que je trouve que le soir se prête mieux à l'ambiance. Voilà, bah sur ce, je vous laisse là.